Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, on a des véhicules de rallye devant nous. Yes! Un grand merci à Altaïa d'avoir pensé à moi pour faire cette petite présentation. Donc, c'est un partenariat. Ils m'ont envoyé deux véhicules au 1.43 et je vais vous les présenter. Donc, ce n'est autre que la toute nouvelle collection Vainqueur de rallye. Alors, ça s'appelle Vainqueur de rallye, hein, cette collection. Donc, comme d'habitude, je mets le lien en description. N'hésitez pas à aller voir. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce que les 1000 premiers abonnés auront un magnifique cadeau d'après ce que j'ai cru comprendre. Voilà, comme d'habitude, ils sont vachement généreux au niveau cadeau. Et voilà, maintenant on va revenir en détail sur ces miniatures. Donc ce que je n'ai pas dit, c'est des miniatures au 1.43 présentées en boîte vitrine, comme d'habitude. Et là, je trouve que c'est fun. Moi, ces boîtes vitrine, je kiffe. Pour la collection. Donc là, on a reçu deux miniatures, une Toyota GR Yaris Rally 1 et une Ford Puma Rally 1. Alors pourquoi 1? Moi, je ne sais pas. On va tout de suite présenter la Toyota GR. Donc on la sort de son socle. Toujours cette petite image de fond, une photographie prise lors du rallye. Donc là, je ne sais pas si c'était le rallye de Croatie ou pas. En tout cas, voilà, c'était la vainqueur du rallye de Croatie en 2022. C'est marqué sur le socle. Donc, chaque socle, tout est stipulé dessus. Rallye Croatie 2022, Toyota RGR, Yaris Rallye 1, avec le nom du pilote et du copilote. Ces noms, bien sûr, que nous retrouverons sur la vitre arrière, la lunette arrière du véhicule. Donc là, on revient plus en détail sur cette petite Yaris. Plutôt bien représenté, donc toujours fidèle avec les sponsors et tout au véhicule d'origine. Ça, ils ont toutes les licences et tout, plutôt fun. Alors moi, mon avis perso, déjà la Toyota Yaris, c'est pas ma tasse de thé, mais en version rallye, je l'avais jamais vue. Voilà, et une grosse sortie d'air là sur le côté, c'est assez impressionnant. Les bas de caisse, là, des gros, je sais pas ce que c'est, là, autour des roues. En tout cas, elle est assez monstrueuse, assez badass. La plaque minéralgique, tous les sponsors, Panasonic, l'aileron qui est vraiment bien fait. La petite flèche, là, pour, je pense, c'est pour le dépannage, pour les points de remorquage. Bien sûr qu'il y a des roues en gomme. Vraiment très 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 sympa, une belle représentation du véhicule échelle 1 en véhicule 1.43. Voilà, donc vraiment fun fun fun. Donc n'hésitez pas à aller voir les liens en description, hein, comme d'habitude. Voilà, hop, on a fini avec celui-là. On passe tout de suite au deuxième modèle, une petite Ford Puma. Ah là, je connais déjà plus moi Ford Puma, tu vois. Voilà, toujours présenté en boîte vitrine. Une petite image de fond qui va vraiment bien. On voit qu'elle est en pleine attaque. Plutôt fun. Derrière, bien sûr, il y a les caractéristiques de la voiture. Je ne l'ai pas dit. Hein. Voilà, pareil pour le deuxième véhicule. Alors ça, c'est Sébastien Loeb qui l'a piloté au rallye de Monte Carlo en 2022. Et donc, qui, je suppose, a gagné le rallye de Monte Carlo en 2022 avec cette Ford Puma, étant donné que c'est la collection des vainqueurs de rallye. Voilà. Waouh. Très 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 impressionnant cette calandre. Ford, j'adore. Il devrait faire face ça sur le modèle civil en fait. Sur la grille de radiateur, ce serait fun quoi. Les sponsors Red Bull et compagnie, alors je vais pas tous les citer. Elle est vraiment fun, j'adore. Elle est vraiment super sympa celle-là. Toujours les noms des pilotes qui sont marqués pilote et copilote sur la vitre arrière. L'aileron, oh la vache, maintenant ils font de ces ailerons. En tout cas, j'espère que cette petite présentation vous plaît. Alors moi, je ne suis pas un grand fan de rallye, mais je dois admettre qu'elles sont plutôt bien représentées
Et plutôt vraiment bodybuildé, c'est bolide, parce que moi je connais la Ford Puma en version civile, je connais aussi la Yaris en version civile, mais là en version rallye, elles y ressemblent pas vraiment, quoi. C'est vraiment, elles sont boostées ces voitures. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'au boost ouais, hybride, sympa avec tous les sponsors et tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le lien en description. Comme dit, si vous souhaitez faire cette collection, moi je vous conseille de vous abonner. Parce que tout simplement, vous recevrez tout, vous aurez des cadeaux en plus. Et si vous faites partie des 1000 premiers abonnés, vous aurez un véhicule au 1/18e. Alors je ne sais plus quel modèle c'est, mais voilà, c'est pas négligeable. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!